Comment utiliser la monnaie que tu as économisée toute l'année? Ben, il y a plusieurs possibilités. Perso, j'économise la monnaie toute l'année et je la dépose en banque en fin d'année pour avoir une épargne conséquente. Mais apparemment, toutes les banques n'acceptent pas les dépôts de monnaie et si t'es dans ce cas, j'ai quand même d'autres solutions pour toi. Tu peux par exemple aller dans certains supermarchés qui disposent de bornes qui permettent de changer ta monnaie en bons d'achat. C'est franchement pas mal et tu pourras te servir de ces bons d'achat pour payer tout ce que tu veux dans le magasin comme tes courses ou même des cadeaux de Noël. Je précise quand même que ces bornes prennent une petite commission sur la monnaie que tu déposes. Et s'il n'y a pas de borne près de chez toi et que tu peux pas déposer ta monnaie à la banque, l'autre possibilité, c'est d'utiliser ta monnaie pour faire plein de petits bonus tout au long de l'année. Crois-moi, il existe encore beaucoup de façons d'utiliser la monnaie au quotidien, que ce soit dans les bars, les tabacs, les distributeurs automatiques, les boulangeries ou petites épiceries, ou alors dans les caisses automatiques de supermarchés. Tout ça, c'est de l'argent que tu n'auras pas à sortir de ton budget mensuel et qui pourra alors être épargné. Perso, j'ai commencé à épargner ma monnaie depuis le mois de juillet et à vue de nez, j'en suis déjà à une centaine d'euros, alors autant te dire que je te conseille vivement de te lancer. Et pour te motiver, tu peux même utiliser des défis budget comme le défi des centimes ou encore les défis 1 euro et 2 euros.